Mais non, mais Kaik, what the fuck is your problem? Hola chica, c'est Mamie Chula. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur mes cheveux, sur my go-to. C'est vraiment my go-to coiffure, donc c'est la coiffure que je préfère le plus. Vraiment, c'est parce que je trouve déjà qu'elle est super simple, mais en même temps super élégante. Et vous voyez, il y a la coiffure. D'habitude, j'ai fait un petit bun à l'arrière. Là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je voulais faire une queue de cheval. Du coup, bah, je vous ai tout simplement filmé une queue de cheval. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos abonnements, surtout pour vos commentaires et votre soutien. Franchement, ça fait super, super, super plaisir. Vous savez même pas à quel point. Donc voilà, si vous êtes intéressé sur cette si ça vous intéresse savoir comment j'ai réalisé cette coiffure, continuez à regarder la vidéo. Alors tout d'abord je vais commencer par donc séparer mes cheveux. Donc vous pouvez le faire là où vous voulez. Moi j'ai kiffé séparer mes cheveux au milieu parce que je sais pas, j'aime pas sur les côtés, pas du tout. Donc je vais commencer par séparer sur les côtés, enfin au milieu. Et donc une astuce, vous prenez votre épingle, vous le mettez comme ça et puis vous remontez et puis là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse et je vais tout simplement brosser mes cheveux vers l'arrière. Vous brossez bien. C'est bien de prendre une brosse qui démêle les cheveux. Comme ça, vous n'allez pas avoir de nœuds et les cheveux vont vraiment, vraiment. Vous voyez, c'est plaqué. Alors moi, c'est des cheveux défrisés. Du coup, j'ai défrisé il y a une semaine, je pense. Après, si vous avez des cheveux crépus, parce que la première fois que j'avais fait cette coiffure, j'avais des cheveux crépus, donc naturels. Et mon conseil, c'est si vous avez des cheveux crépus, donc naturels, c'est humidifier vos cheveux, c'est obligé. Vous devez mouiller vos cheveux au moins un minimum parce que sinon, c'est la galère. Moi, j'ai des cheveux super, super crépus. Donc, pour les plaquer, j'ai... Quand je vous dis que les cheveux là sont têtudés. Ils ne veulent pas plaquer. Même si je mets une tonne de gel, ils ne veulent pas plaquer. Donc, un conseil, c'est de mouiller un peu vos cheveux, mais légèrement. Et puis voilà, il faut tout simplement plaquer et mettre beaucoup de gel, beaucoup. Mais pas non plus à l'excès, parce que sinon après, bah, vos cheveux seront super sales au bout d'un, voire même deux jours. Vous allez prendre votre gel. Alors, moi j'utilise ces gels-là. Les Eco Styler, les Eco Styler, bref, puissance 8. Bon, je pense que c'est mieux de prendre puissance 10, mais comme j'ai défrisé mes cheveux, ben, j'avais pas besoin. Sinon, j'utilise un autre gel. Attendez, je vais vous montrer ce que je veux. Sinon, j'utilisais celui-là, les Nixon, et c'était ça, c'était le bleu. Après, il y a le noir, et le noir il est beaucoup mieux, mais moi, quand j'avais été le chercher, ben, ils en avaient plus. Dommage. Et voilà, et sinon avant celui-là, et ça c'est ce que j'utilisais avec mes cheveux crépus, parce qu'avant celui-là j'utilisais le Eco Styler, mais les verts, et franchement je vous ai dit, hein, mes cheveux ils sont têtus, du coup ça marchait pas, du coup j'ai été acheter celui-là. À la base je voulais le noir, mais bon ils en avaient plus, c'est pas grave, bref, et cette fois-ci j'ai pris celui-là, voilà. Donc comme je disais, une fois vous avez bien plaqué vos cheveux, vous avez bien ramené vos cheveux vers l'arrière, vous prenez du gel. Et voilà, comme ça, sur vos deux mains. Et vous allez commencer à en appliquer comme ça. Après ça, je vais prendre ma brosse. Voilà. Vous avez besoin, franchement, vous avez vraiment besoin de cette brosse.
Je vous dis, avant j'ai plaqué mes cheveux, mais pas avec une brosse aussi dure. C'était une brosse dans le genre, mais elle était beaucoup plus... comment dire, plus... La brosse, elle était vraiment douce, vous voyez. Et du coup, franchement, j'avais du mal à plaquer mes cheveux. Déjà, mes cheveux sont têtus, donc j'avais vraiment du mal à plaquer mes cheveux. Mais une brosse comme ça, bien dure comme ça, là, les brosses des hommes, en fait, bah, ça aide de ouf. Ça plaque vos cheveux, mais truc de malade. Donc voilà, vous prenez la brosse et vous commencez à plaquer vers l'arrière. Plaquez vers... Voilà, vous rajoutez du gel si vous voulez. Moi, je vais rajouter du gel là. Parce que j'aime vraiment que ça soit propre à ce niveau-ci. Que ça soit, enfin, propre, que ça soit vraiment bien plaqué à ce niveau-là. Des fois, j'aime que ça soit impeccable. Voilà. Voilà, après moi, j'ai rajouté du gel là où je sais que, voilà, j'ai mes cheveux deux fois, ça part en cacahuète. Et vous vous assurez que devant c'est bien plaqué, parce que ce qui fait la beauté de la coiffure, c'est surtout l'avant. Voilà, c'est fini. Donc maintenant vous pouvez sortir, vous pouvez être belle, vous pouvez être rayonnante. Allez-y, soyez vous-même. Non, je rigole. C'est pas fini, hein. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est attacher vos nains. Alors, je vais attacher mes cheveux là en bas, vraiment en bas. Et quand vous arrivez en bas, en fait, moi en tout cas, ce que j'aime bien faire quand j'arrive en bas, c'est rajouter encore du gel. Mais il faut soigner. Si tu soignes des vous, il faut soigner derrière. Pourquoi tu vas le laisser derrière? Non, tu soignes comme ça. Si on vous regarde derrière, on dit c'est quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est comme je veux une queue de cheval aujourd'hui, bah, tout simplement, je vais prendre, vous voyez, donc deux mèches, et je vais les attacher comme ça. Non, quoi que je vais, non, je vais juste, vous voyez, la mèche là, elle est entière, et là, je fais rejoindre les deux bouts, donc voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pince. Je prends une pince. Et puis, ici, là, vraiment au bout, je vais rentrer la pince au milieu. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ramener ce truc ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer la pince. Mais la petite astuce, c'est que, vous voyez, je vais ouvrir ma pince comme ça. Et je vais mettre la pince entre les... Comment, l'élastique, en fait. Pour que ça tienne vraiment bien, 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 bien. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, vous allez mettre vos cheveux autour de... Enfin, vous allez faire tourner les mèches autour de vos cheveux. Donc là, je vais ajouter encore une fois. Donc voilà, même système. Je prends ma pince. Et après, je vais reprendre une pince. Et je vais fixer. Voilà les filles, la vidéo elle est finie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. À laisser un petit commentaire. Je sais pas si vous aimez ou si vous aimez pas. Si vous voulez plus de tutos sur mes cheveux, enfin quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous.
Adios, gracias.